retourner le cerveau de ton lecteur. Pour ça, tu dois faire un coup de théâtre dit du hareng rouge, mais attention, car tu risques de faire une grosse erreur. Le hareng rouge, c'est quand tu vas faire croire quelque chose à ton lecteur pour à la fin révéler que tout est faux. Le danger principal, c'est que la fausse piste, soit l'essentiel de ton histoire, soit chiante à mourir, et donc que le lecteur décroche. Si le film Sixième Sens était chiant avant la révélation finale, on ne regarderait même pas le film. Donc construis ton histoire fausse en imaginant cette fin qui va tout changer, mais fais attention à ce que cette fausse piste soit quand même palpitante à lire. Mets-moi en commentaire une histoire dont la révélation t'a déçu.